Il arrive tout juste de Damas, d'un pays bouleversé par la guerre, au calme de la rue du premier film. Le réalisateur syrien Mohamed Malas est invité par le Festival des cinémas du Sud. Il vient présenter son dernier film, Une échelle pour Damas. Au départ, ce devait être une simple histoire d'amour, mais en 2011 arrive la guerre. Elle bouleverse tout et s'invite, jusque dans le scénario. C'était beaucoup trop dangereux de tourner à l'extérieur, donc l'essentiel du film se déroule à l'intérieur d'une maison syrienne. Dans mon film, j'essaie de montrer le plus largement possible la situation actuelle en Syrie. Les difficultés, la tension, les combats, la vie au quotidien. Et ce n'était pas simplement une option pour moi, c'était vraiment un devoir de parler de cette situation, la situation aujourd'hui dans mon pays. De l'Égypte à la Palestine, de la Tunisie au Liban, en tout, 9 films du Proche ou du Moyen-Orient sont présentés ce week-end. Des œuvres forcément marquées par les bouleversements de leur pays et par les printemps arabes. Quand des pays sont en guerre civile, quelque part, je ne sais pas qu'il le faut, c'est une nécessité, mais pour des créateurs, des artistes, ça crée je veux dire, pas un ciment, mais un ferment pour la création, quoi. C'est un cinéma d'urgence, c'est un cinéma qui peut s'apparenter, qui a l'influence entre le documentaire et la fiction, et en même temps, c'est vraiment un regard introspectif sur les sociétés actuelles. Autant de films, souvent eux-mêmes épris de liberté et qui nous plongent dans les réalités des pays méditerranéens, loin de la simple carte postale.